Carassin, s'il vous plaît. Bonjour Carassin. How are you today? Oula, t'as pas. Oula, oui d'accord, ok. Il me fait direct de la résistance. Hop. Carassin is not happy today. You have to see the catfish. Catfish love you. Hein. Beaucoup love you le catfish. Regardez, s'il est pas beau, celui-là, il demande que de l'amour. Que de l'amour. Il est un peu plus long que celui d'hier, celui-là. Hop, on va piquer là. Impeccable. Celui-là, il est ready. Il est ready to go. Hop. Je te fous là-bas. Ah. Là, ce coup-ci, j'ai viré le fluoro. J'ai mis que de la tresse Kevlar. Ça, au moins, ça bougera pas. Cela, ça m'a gavé l'autre soir. Tresse Kevlar, au moins, il n'y a aucun risque. Fini le fluoro. C'est qu'en fait, le fluoro que j'enroule se casse par enroulement, en fait. C'est pour ça. Donc, j'ai compris mon erreur, en fait. C'est comme j'enroule le fluoro, en fait, le fluoro, quand vous l'enroulez, il se tord, il se casse. Il devient fragile. Voilà pourquoi j'ai cassé très bêtement hier, tout simplement. Donc, au moins, on a eu la raison de la casse. Hop. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, enfin ça va bien se passer, tu vas voir, t'inquiète pas. Bon. Il m'en reste un en réserve qui est pas mal. J'ai le kayak qui fout le camp à cause du vent. Et ça va être un gros problème ce soir avec l'ancre encore, mais bon, on va se débrouiller. Allez, on dégage. Bon, on va essayer d'envoyer le bouchon. Alors, le problème que j'ai, c'est que j'ai le vent complètement face, c'est-à-dire que mon kayak part en arrière. Donc je vais devoir pêcher le dos au bouchon, quoi. À cause du vent, et comme il n'y a pas assez de courant dans le Cher à cause de la sécheresse, bah au final, pour faire dériver le vif, ça met 3 plombes et mon kayak part directement. Mon kayak part au sens inverse de la pêche. Donc voilà le problème qu'on a. Et je mets 3 plombes. Oh, j'ai le bouchon qui est coulé. Je vois plus le bouchon. Silure en dérive. Je fais le silure en dérive. Je fais en dérive. En dérive avec le carassin. Oh non, je l'ai décroché. Mais non, putain, je me fais arracher le carassin. Mais t'es sérieux là? Je tape un silure en dérive. Oh, j'ai plus de carassin, mais c'est pas vrai. Ah ah ah, le carassin qui trace un peu sur la gauche. Oula, le carassin qui trace. Carassin qui s'agite, carassin qui s'agite, qui remonte en surface, attention. Carassin qui s'agite. Carassin qui s'agite. Carassin qui s'agite. Ça s'agite. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui viendrait renifler? Oula, 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 oula. Il tente de remonter en surface, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un truc au fond qui bouge. Oui, oui, oui. Oui, oui, on a une fuite. Ouya, oula, ouya. Le fil est à moitié pris dans une herbe en plus. Oula, oula, oulala, oulala. Oula, oh là là, il est attaqué. Ouais, c'est pas du gros. Pff, putain. Regarde, regarde. Pff. Il a pas été pris. Hein. C'est lui qui a coulé le bouchon, mais il a pas été pris. Il continue à être reniflé. Ah ouais, il y a un carnassier dessus.
Ouais, c'est venu voir et c'est. Oula, oh, c'est pris là. Ouais, mais c'est un petit, regarde, c'est pris. Non, non, c'est un petit, t'as vu? Ça a tiré dessus. Voilà. T'as vu? Ça m'a tiré dessus et ça a relâché. Ah, on va avoir de la vue underwater, mais c'est que du petit silure, c'est agaçant quoi, sur un carassin gros comme ça quoi. Alors qu'hier je me fais péter sur un pauvre petit gardon, sur un quasiment, il faisait quasiment 2 mètres le bordel. Merde, oh là là, bah oui, bah pff, regarde, il est encore dessus. Ah ouais, mais. Oh putain, ça c'est mieux! Ça c'est mieux! Ou pas? Non, c'est pas mieux. Mais par contre, je vais le ramener au bateau très vite. Parce que je veux pas créer la zizanie. Allez, il va venir au bateau celui-là, ouais. Que du petit, que du petit, que du petit. Bon, c'est peut-être pas trop trop petit, mais. Ça dégaze. Ça dégaze, on va voir la tronche bientôt. Ah oui, puis c'est le stop float qui m'emmerde. C'est le stop float en fait qui me bloque là. Ah, je vais avoir l'attaque underwater en plus, c'est génial. Oh, on a bien dû un 50 là quand même. Bon, c'est correct. Ah la vache, il a du jus celui-là. Ah, il se défend, hein. Ah, il est bien piqué par le simple. Il a pris le carassin par la tête, dis donc. Ouais, silure qui sort de frais, complètement mordu, c'est une femelle, évidemment. Les silures femelles, très agressives. Ouais. Ah, il est beau, hein. Ah, il est beau, il est beau, il est très beau. Il est très très beau. J'ai la flemme de regagner le bord, en fait. Ouais, si je bascule en kayak, je tombe avec mes bottes, bah je me noie, c'est ça. Oh, air crash des poissons. Air crash des poissons. Air crash des trucs de. Elle est en train de vomir des poissons. Ouais, 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 ils sont en pleine frénésie alimentaire, là, y a pas de soucis. Là, là je peux pas, bah ouais, j'ai le balancier. Alors avec le kayak, ça balance. Je le tiens. Oh, elle a la bouche toute blanche, elle est belle. Hein. Ah, attends, je vais essayer un truc. La sécurité déjà, c'est de retirer l'hameçon du silure. Tu vois, voilà, tu vois, contrebalancier. Tu te calmes, tu te calmes. C'est là que ça me fait vraiment peur. C'est là que c'est dangereux en cap où vous pouvez tomber et vous noyer. Ça, je le dis clairement, vous pouvez vous noyer direct. Moi, je le fais parce que je suis un gros malade mental. Ouais, ça fait un 60. Oh, c'est plus gros que ça. Ouais, ouais, si, ça fait un 60. Voilà. C'est une belle femelle. Ah, yes.
C'est une belle femelle. Voilà. Une belle femelle. Yes. Ah, je suis content, c'est super. Allez, on la remet à l'eau direct. Hop, on la fait glisser, comme ça, repart. Allez. Pas trop de manœuvre parce que là, ça aurait été plus gros, je serais allé au bord. Là, ça va, ça passe. Oh oh. J'ai le bouchon de gauche qui est parti. J'ai le bouchon de gauche qui est parti. Hein. Poisson. Ah purée. Ouais, j'ai entendu le boum dans le kayak. J'ai même pas vu le bouchon partir. J'ai entendu le boum dans le kayak. J'ai entendu le boum dans le kayak. Ouais, c'est petit. Mais bon, c'est du petit gardon en même temps. Ah, ça revient vite au bateau. Hein. Il est en train de prendre le devant alors que je me tape pas un double départ là. Ça pourrait pas être un broc, ça. C'est dommage. Ouais, c'est quand même lourd dans la canne. Hein. C'est un silure, je présume. Je vois pas. Ouais, vu le poids, c'est du silure. Hein, c'est pas. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Ça bouge là-dedans. Ah, ils sont nerveux. Hein, ils sont en pleine forme. Hein, t'inquiète pas. Hein. T'inquiète pas qu'ils sont en pleine forme. Hein, mais te dire. Je vais avoir le même problème bah, avec. Cette énergie qu'ils ont, hein. Ah, c'est quelque chose. Hein. Ah ouais, c'est un silure. Deuxième vif pété. Voilà, c'est bon. Calme-toi. Ah non, le triple il est sorti, pardon, j'ai rien dit. Le triple est en dehors. C'est bon, je vais arriver à t'enlever ça. Merde, c'est pas beau ça? Hop. Oh, celui-ci il est beau. Oh. Voilà. Superbe. Allez, zou. Merci à toi. Ouais, je regardais pas la ligne. Vous voyez, dans le kayak, vous entendez dans les auto-healers la résonance quand il y a quelque chose qui bouge dans le kayak, vous entendez boum comme ça. Et j'ai ressenti le boum. C'est là que j'ai vu, j'ai regardé les bouchons, j'ai fait ah, bah c'est haut. Voilà, je me suis pas fait avoir, j'ai mis du badine Kevlar, au moins comme ça je risque rien. Et bah celle-là, je peux la ranger dans le cou car c'est quasiment la fin de la pêche.